Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur The Division 2 de Noël. C'est tout. C'est tout, y'a rien d'autre. J'ai rien prévu. Parce qu'honnêtement, cette mise à jour, c'est pas qu'elle me gonfle, mais pas loin. Parce qu'il y a pas de nouveau contenu en fait. Zone de sécurité. Il y a un détectée. Peu de contenu qui a été stabilisé. The Summit qui a été pseudo-stabilisé. Parce que quand j'ai fait mes tests avec les 5 challenges, The Summit, ça, clairement, il n'y avait rien de stabilisé. C'est pour ça que je me suis limité qu'aux 5 challenges. Au-delà, je le ferai pas. Clairement, pour l'instant, au-delà, je le ferai pas, ça m'intéresse pas. Parce qu'une zone qui est full buggée, ça va pas. J'en vois pas l'intérêt. Demande de backup reçue. Ah, League Viper, tiens, voyons voir. Ce sera peut-être ce qui est le plus intéressant. Donc, voyons voir. Ouais, ça, on s'en fout. Siège de l'administration spatiale. Putain, un labo droite. Oh, quel emmerdement. Oh mais quel emmerdement. Oh les deux pires missions du monde. Ah non, Pentagone, ça va. Pentagone, c'est où? C'est où? Alors honnêtement, c'est pas... C'est vraiment pas la mise à jour qui me hype, celle-là. Au début, je me suis dit oui, pourquoi pas, mais puis maintenant, c'est non. C'est juste nope. Non, parce que le jeu est bien. Honnêtement, le jeu est bien, il vaut le coup. Mais il y a des pour moi, il y a des limites, et... Là, la limite, ça, c'est non. Parce que c'est... Parce que je rappelle juste, pour moi, mon avis, en fait, je vous montre juste avec avec la map. Ce sera plus simple. Donc là, il n'y a rien ici. Alors, Washington. Donc, la ligue, enfin, la saison, c'est refaire les mêmes missions en boucle. Les missions que tu as déjà fait 50, 100 fois. Et pour moi, au bout d'un moment, je veux bien farmer en boucle. Ça me gêne pas de farmer, de me balader, etc. Mais je suis désolé, mais pendant 800 heures, refaire le Jefferson Plaza... Non, en fait, j'ai pas d'intérêt. Moi, honnêtement, j'ai aucun intérêt. En plus, j'ai jamais le butin ciblé que je veux. Protocole Eclipse, il est déjà max stat, celui que j'ai. Donc, clairement, ça m'intéresse pas. Moi, je me fais un café. À part la ligue qui de temps en temps est fun juste pour les vidéos, et moi je fais cette vidéo juste parce que je dois faire des vidéos parce que j'ai du contenu à la bourre. Sinon, honnêtement, j'en aurais pas fait. Si c'était pas pour YouTube, je serais pas revenu sur le jeu. Pas avant qu'il y ait une vraie mise à jour ou pas avant arriver à la fin de la saison 4 comme je le fais à chaque fois. Parce que les saisons, je les fais à l'arrache à la fin, j'ai pas d'intérêt de les faire autrement. Ça me gonfle autrement. Je vais la faire parce qu'elle est là. Honnêtement, parce qu'elle est là. Ah oui, j'ai mon nouveau proto souffrance, c'est vrai. Bon, on va augmenter le dégât des crits, comme d'habitude. Ce qui m'intrigue presque, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après la fin de la saison de la montre. Parce qu'on est sur la fin de la saison de la montre, je rappelle. Donc qu'est-ce que ça va donner plus tard? Et voyons quel exotique inutile je vais encore avoir, eux. Parce que je les ai toutes, les exos, à part l'Eagle Bearer. Lady Death, parfait, ça daise. J'en ai 12. J'en ai au moins 12. C'est comme les caméléons, j'en ai trop. Non, ça. Je veux bien être gentil, hein, honnêtement. Ce jeu, il mérite d'être gentil. Sauf que des fois, c'est long. C'est pour ça que j'ai du mal, là. Là, pour moi, j'ai commencé à avoir du mal. Mais je continue, j'arrêterai pas les épisodes. Je dis que j'ai du mal, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai les épisodes. J'essayerai de trouver du nouveau contenu. Je vais avoir du mal, mais je vais essayer. Je vais essayer, honnêtement. Moufle en simili cuir, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pris un niveau, d'accord, j'ai réussi à prendre un niveau, je sais pas comment. Apparemment en ouvrant les caisses, bon. Par contre, juste un truc, si jamais après la saison 4, vu que c'est la fin de la saison de la montre, le truc il va nous dire, ouais prenez la montre de Phaelo et regardez la montre, et là on va retrouver des renégats. Si jamais c'est ça, et qu'on doit recommencer tout farming d'une zone, je crois que moi, je le ferai pas en vidéo, honnêtement. Parce que si c'est exactement la même chose pendant 12 saisons, comme ce qu'ils avaient annoncé, et que tu te fais chier pareil pendant 12 saisons, avec de temps en temps une nouvelle exotique à farmer, mais qui honnêtement se ferme très vite, tu fais 4 points de contrôle, tu fermes 20 niveaux, t'en fais sûrement une heure, quoi. J'exagère à peine. Mais les exotiques de la track, de la saison... pardon, non, c'est menu de saison.
Série, là j'ai rien farmé. Là j'ai fait 5 étages, 20 étages en normal de The Summit et j'ai allumé le jeu. Et peut-être 40 minutes de test quoi, mais c'est tout. Donc on va dire 2 heures en normal, 40 minutes, j'ai fait 12 niveaux. 40 minutes c'était en héroïque et j'ai fait qu'un point de contrôle parce que j'ai merdé. J'ai même pas fait de point de contrôle, excusez-moi, hein, j'en profite du café, mais je sais ma tasse est coupée en deux, c'est normal. C'est une tasse verte, j'avais pas la bonne. Et après, là, les exotiques, elles ont l'air intéressantes. Mais c'est refaire la même chose en boucle, quoi. Et au bout d'un moment, c'est lassant. Non, sérieux? C'était pas débloqué? Mais si, je l'avais débloqué. J'étais sûr que je l'avais déjà débloqué. Attendez, attendez, attendez. Roosevelt Island. Ben oui, ben oui, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà. Parce que c'est Jupiter normalement, ça. Ouais, c'est ça. Ben c'est l'arnaque. L'arnaque. Ben, l'arnaque. Jefferson Plaza et siège de l'administration spatiale. On va commencer par le siège de l'administration spatiale en ligue. Parce que je vois pas. Honnêtement, je vois pas quoi faire d'autre. Bon, on peut tenter de la faire celle-là. Je vais tenter de la faire. Ouais parce que je sais pas quoi faire. Après si vous avez des idées, bah tiens, je vais vous recruter un peu. Si vous avez des idées de missions, de nouvelles missions à faire, moi ça m'intéresse. Enfin de nouveaux trucs à faire dans Divi, parce que Si là, on veut avoir une chance de remettre clairement, Isaac en ligne dans pour tout le moi y a plus pays, rien. on va devoir reconnecter C'est le rien de système nouveau. local au réseau satellite. On devrait pouvoir faire ça depuis le siège Les de builds, l'administration moi j'ai des builds spatiale. qui me Allez, vers plaisent, la des salle builds de qui sont contrôle. fun, sont Je pas les vous meilleurs ferai mais sur la plutôt fun donc machine. moi ça me suffit. Je ne suis pas un joueur PVP, parce que le PVP a une tendance à me gonfler très vite. Tout refaire de zéro, je vais, tout refaire de zéro avec un autre perso, honnêtement, j'avoue, c'est mal. Parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb, quoi. Quand tu refais la même chose en boucle pendant des milliers d'heures, tu pètes un plomb. Hein. C'est. Voilà, donc c'est compliqué. Bref. Je vais essayer de me concentrer sur la mission parce que je suis un peu dans les vapes aujourd'hui, donc on va faire attention. Et oui, je tombe parce que j'ai pas trop le choix, j'ai plus de vidéo division. Mais au moins, heureusement, il y a un truc qui est fait, c'est que j'ai ta place sur le disque dur et ça, c'est cool. Là, oui, je reviens juste aussi sur la mise à jour qui avait récemment, qui m'a un peu déçu. C'est que le seul intérêt de la mise à jour, c'est que t'as le scorpion et le bigorne qui est passé à 40 balles. Et moi, après, la mise à jour, il n'y a rien d'autre. La saison 4 avec Kylo, je m'en fous. Après, cette arme, elle est bien. Ça va toucher. Mais ils sont où ces cons? Ah oui, le raid clairement, je veux bien en faire. Honnêtement, je veux bien en faire, je crois que je vais en faire. Hein. Mais l'épisode il va être très court. Parce que à chaque fois je tombe sur la même situation, j'ai pas d'équipe de 8. J'ai pas de bonne équipe de 8. Parce que bon, mon clan il est un peu. Pas terrible. Et à chaque fois que j'ai tenté un raid en matchmaking, le nouveau, je parle bien sûr de Iron Out, je n'ai jamais dépassé Fizz. Je suis tombé une ou deux fois sur le boss d'après. Une fois parce qu'on a spawn sur le boss d'après. Et c'est tout. J'ai fait une fois la première partie, mais depuis je spawn que sur Fizz. Le premier boss, ben, je ne l'ai plus. Et même quand je crée le truc, hein, même quand le truc est créé, que rien n'est lancé, c'est Feather le premier boss. Bon. Et donc Feather, je n'ai jamais trouvé une team qui a réussi à le battre. Pourtant, on a plusieurs fois, on a été 3 ou 4 à gueuler dans le chat en disant attention, faut faire ça, attention, faire ça. Ne restez pas à 12 000 dans la salle de contrôle, ça merde, ça marche pas. En français, en gueule en anglais en général. La plupart du temps, parce qu'on est tous, on parle tous un minimum en anglais. C'est pas une bonne idée. Surtout quand il y a des Américains avec. Et personne ne lisait le chat. Et comme moi j'avais pas branché mon micro la plupart du temps, ou que je déblatère plein de conneries comme aujourd'hui. Donc le micro c'est pas la peine pour moi. Très peu avec micro. Et donc là c'était pas passé du tout. Et clairement c'est. J'ai jamais réussi à passer.
Il y en a beau faire des efforts quand on est à 2 sur mission à 8, t'as beau avoir un bon stuff, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Merde, il nous contourne. Après, je pourrais refaire du légendaire. Après, je refasse du légendaire, mais j'ai tellement la flemme. Ah ouais, j'ai pas un build de rush du tout en fait. J'ai expliqué que c'était un peu compliqué de rush avec. Merde. Ah, non, mais sors de là, toi. Merci. Aussi maniable que Jurassic World Evolution. Si vous connaissez pas ce jeu, Jurassic World Evolution, c'est un jeu de gestion de parc d'attractions comme on a fait quelques ans. C'est du made in Frontier. Frontier, c'est un développeur qui fait un peu spécialisé là-dedans, j'ai l'impression. Attention, je vois des mouvements ennemis. Donc, sur ils ont lancé. C'est eux qui ont fait Planet Coaster par exemple, ou je crois qu'ils ont fait aussi les Roller Coaster Tycoon. Et ce petit jeu, il est bien sympa parce qu'il est beau et il y a quelques détails qui sont un peu foireux, exactement comme Division. C'est un bon jeu, mais il y a des trucs qui vont pas. Et c'est le même principe, Division, c'est un bon jeu, mais il y a des trucs qui vont pas. En l'occurrence, là, le truc qui va pas, c'est le manque de mise à jour viable. Ensuite, donc Jurassic World Evolution, gestion de parc d'attractions, ça finit souvent mal avec les dinos qui bouffent les touristes. Mais le jeu, il n'empêche qu'il est très très fun, je le trouve très fun. C'est calme, ça détend, je viens de faire un tournage. Je vous ai envoyé les coordonnées pour les paraboles via Isaac. Le réalignement devrait se faire assez vite. Mais il faudra quand même ajuster chaque parabole. Ça devrait vous aider. Achevez cet ennemi ! Ah oui, et je sais que je joue pas la ruche de l'artilleur. Parce que la ruche ne m'intéresse pas, il n'y a pas assez de DPS dessus. Enfin, il n'y a pas assez de temps de recharge dessus. Ennemis en contact. Pour avoir une ruche viable, selon moi, il faut la jouer obligatoirement avec les gants BTSU qui réduisent le temps de recharge de la ruche à une seconde. Parce que déjà, enfin à 30 secondes techniquement, une seconde par tick, pardon. Et le problème, c'est que si on prend pas ça, on en a pour 180 secondes au minimum de recharge. Et il faut rajouter à ça quelques secondes par. Par recharge, pardon. Et là, ça fait un temps de recharge qui est beaucoup trop long, donc la ruche, à part un build compétence, j'ai du mal à l'utiliser. Je trouve qu'elle est trop lente à utiliser, 2 minutes c'est trop. 2 minutes c'est trop long, et dans ce genre de jeu, 2 minutes, je perds très facilement. 2 minutes, c'est tout en même 2 minutes. J'en ai marre, toi tu m'as gonflé, alors dégage. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle dégage. Bonne poutre dans ta poire. Il y a aussi un jeu où tu peux foutre des bonnes poutres, mais littéralement. Borderlands 3. C'est un jeu à la division de farming, en boucle. Mais il y a un gros avantage, qu'à Borderlands 3, c'est donc déjà pas un jeu qui se prend trop au sérieux. Mais surtout, il y a des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'armes. Ben, j'exagère à peine, mais il y a trop d'armes. Dans le jeu, chaque arme, c'est un nouveau style de gameplay. C'est des améliorations, c'est tout change. Et farmer, là justement, ça devient intéressant parce que quand tu farmes en boucle, t'as pas le même loot. Alors que là, t'as le même loot et encore, la plupart du temps, t'es obligé de soit te déconnecter, soit changer quelques trucs. Parce que sinon, t'as plus de loot. Ou t'es obligé de tout recommencer, de repérer 3 plans, etc. etc. Dans Borderlands, il y a certains trucs, c'est pareil, ça je le nie pas. Mais il y a quand même un côté fun au loot, puisqu'il y a une ambiance qui est différente. Je trouve que Division reste trop sérieux. Je sais pas pour vous, mais des fois il est trop sérieux. Faut penser que c'est un jeu vidéo, et un jeu vidéo ça doit rester fun. C'est aussi ce que je recherche dans Division 2, et c'est en ce moment fait. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas de PvP. Parce que le PvP en tant que sur des pros PvP players. Bien joué. C'est un jeu vidéo. Maintenant, il nous faut un émetteur. T'as les mecs qui ragent dans les jeux vidéo. Ouais, t'as perdu. Quand t'es pas un peu player qui gagne des millions, je vois pas l'intérêt de rager contre un jeu parce que quelqu'un a fait de la merde. Si quelqu'un a fait de la merde, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas quelque part. Et peut-être à prendre le jeu ou alors un build. Moi, je suis tombé contre un mec qui râlait que j'étais une chiffre. Bah oui, bah regarde mon build, les gars. Par contre, je faisais un dégât monstre. Avec 600% de dégâts, ouais, tu fais des gros dégâts, mais il faut avoir les autres en soutien derrière. Si les autres sont pas en soutien, ça passe pas. Comment il est à l'objet celui-là ? J'ai réussi à aveugler un pin sans le toucher, sans l'approcher. Trop fort. Je suis dieu. Hey, l'agent ! Comme ça.
Tiens, pour les trouver les mecs. Ça a l'air bien pour mettre une tourelle. C'est bon ? C'est bon. Oh mais en plus elle est longue cette mission. 14 minutes je l'aurai pas. Honnêtement je l'aurai pas. Je vais changer de build. Je vais passer sur un truc plus de rush viable. De préférence. Hein. Oh mais t'es vieux. Oh, putain de tourelle de ces morts. Oh non c'est pas une tourelle. Ils ont pas résolu ce bug là. Fichier. Après, si je reviens là-dessus, mais si vous cherchez un build fun à jouer, un build débile, prenez le canon de verre parfait. Canon de verre parfait vigilance et vous l'adaptez autour, mais pas un build distance. Non, build corps à corps, plus fun. Ça, c'est les pinches qui m'ont repéré, c'est les archers de Noël. Vous savez, ceux qui cassent les couilles à vous repérer à 8 km. Dans la zone de combat, tu peux pas changer de build. Et donc là, je prends un build rush. Très pratique. Pas fait exprès. En fait non, c'était tout, bon. Tout était prévu, je savais que c'était là. C'est pour ça que j'étais là en fait. Je suis crédible ou pas? Non, je suis pas crédible, on est d'accord. Cours pas en baissant la tête. Ça marche pas. Ça te permet pas d'éviter les balles, Boris. Installation de la tourelle. Non mais il court en se baissant la tête, mais ça marche pas ça. Enfin, on a beau être dans une vidéo, du coup en te baissant la tête ça permet pas d'éviter les balles, surtout si le mec il vise pas la tête. Parce que oui, sur ce build en fait quand vous maxez à mort le canon de verre parfait et vigilance avec un max de proba dégâts décrites, je suis à 40 pour 160, un peu plus de 160, faut pas tirer dans la tête, ça marche pas. Tirer dans la tête vous perdez 200k dégâts à la balle. Visez le corps, c'est le plus simple. Et après vous choisissez votre arme. Moi celle qui me plaît bien c'est le ranger parce que le ranger est assez rentable, un truc ranger. Mais il faut que ce soit stable, du style de cette arme là, la nouvelle arme, le nouveau fusil d'assaut. Ou alors de la CR. Quoique je crois que la CR il a été nerf il y a pas longtemps. J'ai un doute mais je crois qu'il a été vraiment nerf. Ah oui par contre je pense à faire ça. Faudrait que je pense à modifier un peu le montage de Division 2 pour mettre une musique de Noël. Et il faudrait que je récupère mon animation de... Enfin, pas la mienne d'animation, mais mon animation de Faucon de Neige que j'ai récupéré. Ma source, ça dé. Je le cache pas. Et je vais l'adapter pour Division 2, pour l'intégrer au générique. Traumatisme important détecté. Tu fais quoi là? Nouveau chargeur. Ah, j'ai une équipe X, c'est horrible. Mauvais moment. Assistance médicale immédiate nécessaire. Enfin, ça y est. Allez. Allez, je s'il te plaît. Sois gentil. Enfin, mon dieu. Ça vient aussi de mon lag, hein, je vous rassure. Ma connexion internet, depuis qu'apparemment certains opérateurs auraient une idée à la con de modifier notre ligne, ça nous fout, mais un bordel sans nom. C'est une merde même. Hein. On a plus rien qui marche. Quand je dis qu'on a plus rien qui marche, ma connexion a été divisée par deux. Déjà qu'elle était basse, alors là, divisée par deux, je vous dis pas. Oh, on a plus rien qui marche. Pour charger une film Amazon Prime, ça fait deux plans. Je dis Amazon Prime parce qu'il y a The Expanse que je sais, il y a le nouvel épisode du Grand Tour qui est sorti il y a pas longtemps. Cette émission elle est sympa, on est plus chargé hein, les animateurs, ça c'est certain. Si vous cherchez l'humour de gros box, c'est bonne émission. Mais c'est bien quand on veut éteindre le cerveau. Vous savez ces émissions où tu éteins ton cerveau, tu regardes rien. Et là sur leur nouvelle version par contre ils ont des paysages, c'est mal. Fait du bien de voir cette salle en blanc. Que j'ai des. Il y a des défenses qui sont vachement longues.
Bill Chasseur. Non, pas Bill Chasseur. Chasseur, voilà, merci. Oui, mais il n'y a plus personne dans le labo. Non, non, il n'y a plus personne. Ça, ce sont les missions qui en ligue sont quasiment pas faisables parce que le temps que tout s'active, ça met des plombes. Bon. J'ai perdu une à deux minutes le temps que tout s'active. Et le connecter au reste du complexe. Comme ça, on pourra effectuer une liaison vers les satellites. Ah, moi, je me mets en dessous. Rien à battre. On est en difficile. J'ai mon build chasseur. Je vous attends, les débiles. Oh là là, il fait noir. Bonjour. Bonne nouvelle. Vous allez bien? Vous avez de la compagnie? Au secours. Au secours, j'ai plus de souris. La souris qui me lâche. La souris qui me lâche. Au secours. Au secours. J'ai pas les câbles. J'espère que ça va marcher. L'installation à l'arrache, c'est la panique. Pardon pour le micro. C'est le coup de souris. Alors. Oui, c'est bon, elle est revenue. Avec une sensibilité dégueulasse, mais elle est revenue. C'est la panique. Il est où ce con? Il est là, descends là. Pareil. Allez, je voulais tout le monde. Allez, j'arrive. Je suis là. Putain, mais les armes ont encore été nerfs ou quoi? Putain, mais je fais plus de dégâts. Sur un build qui avant faisait énormément de dégâts, je fais plus rien. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Mais bon, là, je l'ai un peu avancé, la ligue, donc c'est bien. Honnêtement, pour moi, c'est bien. Donc, le prochain épisode, je tenterai de faire du raid ou du légendaire. Selon mon courage, je verrai ce que je fais. Bon, j'ai déjà un petit épisode de ligue, comme ça, vous savez pourquoi j'ai pas trop tourné non plus. Parce qu'il n'y a plus rien à tourner. À part des trucs que j'ai déjà fait pendant 150 épisodes. Il n'y a plus grand chose à tourner, donc voilà quoi. Donc ça, je suis pas motivé, j'arrive pas à me motiver pour tourner plus d'épisodes que ça. Parce que j'ai d'autres jeux à côté qui sont bien, il y a un très récent qui va arriver là d'ici quelques semaines. Là je vais juste avoir un problème d'installation. Ensuite il y a Borderlands 3 qui est très fun, il y a... un jeu qu'il faut que je retourne parce que je me suis rendu compte que le premier record est complètement foiré. Ou alors je le garde, je sais pas si c'est... Je pense que je le mettrai d'une manière ou d'une autre. Je me démerderai pour ça. Il y a d'autres jeux qui sont bien plus fun en fait que Division pour l'instant. J'espère qu'après la prochaine mise à jour, ils nous rajouteront du contenu. Parce que là, faire The Summit en boucle, pourquoi faire, honnêtement? Parce qu'il n'y a plus de nouveaux loot. En fait, le problème que j'ai, c'est pas spécialement refaire le contenu. C'est qu'il n'y a pas de loot derrière. Il n'y a pas de nouveaux loot. Je veux bien tenter des trucs, hein. Je veux bien tenter des builds, mais les builds, ça, pour moi, ça se résume à quelques types de builds, parce que la mécanique du jeu impose ce genre de build. Les builds hybrides, c'est bien, mais c'est assez limité, surtout en solo. Moi, je joue qu'en solo, donc clairement, un build hybride, c'est très limité. Alors, en solo, si vous avez un build hybride, vous n'allez pas avancer, ça va prendre 3 plombes, ça va être chiant. Vous serez plus solide, ok, mais comme vous traînerez plus longtemps, vous tarderez à tuer les ennemis, vous prendrez plus de dégâts, donc c'est aussi rentable qu'un build full DPS pour moi. Après, j'ai pas les stats à fond, honnêtement. Mais c'est pour moi un hybride est tout aussi stable qu'un DPS. Après, j'ai pas joué beaucoup d'hybride, mais bon voilà. Par contre, en PVP, l'hybride est fumé. L'hybride est presque. Putain, fond vert de merde. Excusez-moi pour le fond vert. Hein. Fond vert qui part en couille très vite. Les hybrides, le problème c'est qu'ils sont très fumés, archi fumés en PVP. C'est presque, c'est pas inégal, mais plus presque inégal dans l'idée. À cause d'une organisation, je sais pas quoi, bref, m'en fous. Les builds dégâts de compétences, c'est quasiment tous les mêmes. Build dealer, j'en ai un très bon, j'ai même pas à l'améliorer, à part optimiser 2-3 stats, mais encore c'est limite. Build tank, j'en ai un qui est très solide. Mais qui est juste là pour être solide. Le but de ce build tank, c'est pas de faire du dégât.
Enfin, quoique, il y a pas mal de dégâts des headshots. Mais c'est de le garder solide. Et je n'ai pas fait de build hybride à proprement parler, puisque les loots, ils viennent pas. J'ai tenté d'en faire un. Farmer du True Patriot pour faire un hybride True Patriot qui pourrait être pas mal. Le problème, c'est que je loot pas. Je vais vous montrer. Je vais vous dire en fait ce que je veux dire. C'est que là, pour le True Patriot, j'ai rien looté. Donc c'est aussi difficile de farmer un truc en boucle quand tu sais que le loot ne change pas. Et quand tu veux une pièce spécifique, elle tombe pas. J'ai pas 400 heures à passer sur le jeu pour farmer un True Patriot avec des bonnes stats. Je l'ai pas et je le voudrais pas en fait, honnêtement. Donc j'avoue, je suis peut-être un peu pessimiste dans l'ambiance sur Division, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Le jeu ne change plus. C'est triste, hein, mais le jeu ne change plus. Un agent a besoin de backup. Donc, ouais, j'avais stocké, je crois. Excusez-moi. D'une manière ou d'une autre, j'avais stocké du True Patriot. J'avais gardé les meilleures pièces. Regardez les stats. 6 de dégâts des headshots et j'ai la capacité principale à changer. Effet d'état. Là, j'ai une pièce qui est à peu près viable. À peu près. Sac à dos, j'en ai même pas looté. J'aime pas un seul. Gants. Bah non, le sac à dos, j'en veux pas de toute façon. Gants. Protection, c'est bien, mais résistance aux explosions, qu'est-ce que j'en fous? Donc là, si je veux vraiment faire un hybride, il faut que je fasse sauter une stat ici. Et maintenant, de genouillère, c'est bon, je prendrai ça. Et j'ai même pas de... Putain, j'ai rien, en fait. Je me rends compte que niveau stuff, j'ai rien. Je suis à poil. Après, ça pourrait être intéressant. Jouer un truc comme ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas encore les pièces non plus. Le Villainy, j'ai fait un build dessus, mais en solo, en PvE héroïque, ça passe pas. J'ai beau maxer les dégâts, l'effet d'état fait pas assez de dégâts pour que ce soit viable pour moi. Par contre, en PvP, c'est hyper viable, effet d'état. C'est hyper, hyper viable. Mais PvE, ça l'est pas. Donc, True Patriot, j'ai une pièce qui est techniquement viable avec des bonnes stats, mais... dégâts des compétences ne me va pas. Voilà, j'ai deux pièces viables sur 6. Donc, c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est en 20 heures de farm. Deux pièces viables. C'était dans une DZ envahie et je sais plus quoi d'autre. Bon, bref. Bref, voilà. Bon, Division 2, c'est compliqué de tourner des trucs. C'est un peu chiant en ce moment. Mais je vais pas arrêter les tournages pour autant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais devoir faire une pause. Moi, je vais arrêter le tournage ici. Ça va me faire du bien. Je vais aller me reposer. Je vais aller me détendre et ça ira mieux. Je vais aller tourner d'autres jeux et je serai plus en forme pour les prochains épisodes. Promis. Bon, même si cet épisode a été un peu chiant, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si ça a été trop chiant, j'en suis désolé, hein, clairement. Mais honnêtement, Division 2, c'est difficile d'en... Si je devais résumer pour Division 2, avant de partir. Division 2 est bien, mais en ce moment, avec le manque de mise à jour, il devient long. Long parce que les loots ont été soi-disant améliorés, et ils ont effectivement été améliorés à un moment. Mais pour si on est dans une mauvaise période, niveau chance je veux dire, on va pendant 150 heures, 200 heures, voire plus, farmer la même pièce en boucle pour qu'elle ne tombe jamais. Ça m'est arrivé, j'ai farmé une pièce pendant près de 700 heures avant qu'elle tombe. Ouais, c'était 500 heures, pardon. 500 heures pour l'inflexible et 200 heures pour le Bullet King, sans que ça tombe, avec les loots améliorés pour le Bullet King, bien sûr. La Lady Death, pareil, 150 heures de farm non-stop, ça tombe pas. Pour une arme. Et après, elle tombe en 35 fois. C'est frustrant, ce genre de cas. C'est intéressant de pouvoir farmer, d'avoir de la difficulté au farming. Mais trop, c'est pas jouable. Voilà, c'est ça mon avis. Division est un bon jeu, il est beau. Le scénar est sympa. Le farming est intéressant, mais quand c'est trop difficile de farmer une pièce, c'est pas jouable, c'est pas rentable. Je veux bien que pour la communauté hardcore, farmer 800 heures pour une arme, ce soit bien. Je suis pas un joueur hardcore, et pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser sur un jeu, et là, je m'amuse plus, et ça se sent, malheureusement. Il y a des moyens de s'amuser, hein, je suis d'accord. Il y a des moyens de péter un boulon, un plomb, aller pas faire foutre la merde dans des aides. Mais foutre la merde, c'est pas dans mon caractère, donc je fais pas trop non plus. Après, bon... Voilà. Hein, je pense que j'ai tout dit. Et une demi-heure sera très bien, au moins je pourrais le publier ce soir. Bon les gens, à la prochaine. Je vous dis pas pouce bleu parce que vu le contenu de l'épisode, clairement c'est pas mérité. Mais si vous voulez mettre un pouce bleu pour me soutenir, allez-y.
Et croisons les doigts pour que la prochaine mise à jour soit une vraie mise à jour. Ah oui, et comment on dit, hein, joyeux Noël. Et le bonnet, il hein, y a le bonnet qui va avec. Important le bonnet, important. Et le pull moche, parce que oui, pull très très moche. Oui, son concours de pull moche, ah, magnifique celui-là. Le commentaire du pull, c'était pour le concours du pull moche, j'ai toujours gagné. Tout ce qu'ils disaient les gens. Donc, bah, moi j'ai choisi pull moche, pull moche. Voilà, bref.